Aman Benson. Le journal des stratèges. Et donc on commence tout de suite en vous parlant de LIFE et de la toute première usine au monde d'hydrogène vert qui a été créée à partir d'éoliennes, et ça se passe à Bouin en Vendée, puisque LIFE a connecté son électrolyseur à 3 éoliennes situées dans un périmètre de 3 km. Alors LIFE a mis au point une solution innovante qui lui permet de lisser les variations du vent, ce qui pallie l'inconvénient de l'intermittence des éoliennes, et c'est ce que nous explique Le Figaro. Alors, la station produit 300 kg d'hydrogène par jour, elle passera à une tonne dès 2022, ce qui permet d'alimenter en carburant les bus, camions à ordures d'une ville de 50 000 habitants comme La Roche-sur-Yon, à une centaine de kilomètres du site. Alors, l'avenir de LIFE repose aussi sur la production d'offshore, nous dit Le Figaro, qui pourra être beaucoup plus puissant. Après son déploiement avec les chantiers de l'Atlantique au large de Croisic en 2022, LIFE compte décoller avec de nouveaux projets en mer du Nord en 2025 qui devraient multiplier par 100 sa production. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges, qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique Média, La Lettre des Stratèges.